J'ai un problème à vous raconter. C'est concernant la balance. Je me pèse et quand je regarde mon taux de body fat, je suis à 18,5. C'est pas normal. C'est pas normal parce que je sais que je fais beaucoup moins de 18,5. Donc je sais pas quoi faire. J'emmerde la balance. C'est bien, non? Hello à tous. Voilà. Nouvelle semaine. Je vais essayer de vous filmer un petit peu ça. Là, je commence par un entraînement pec, épaule, triceps. On peut appeler un entraînement push. Voilà, donc c'est tous les mouvements de poussée. Je suis sur du développé aux haltères. Enchaîné avec, avec de l'écarté couché. Voilà, congestion maximale. Série avec 1 minute avec 2 minutes de repos et voilà, j'ai envie d'être congestionné à mort, de faire une grosse séance, voilà, donc je m'organise comme ça. Voilà, je suis complètement congestionné là, je vais partir sur du overhead press, on passe sur les épaules. Là je fais une séance où je fais que un exercice, enfin un biceps sur les pecs, 2 épaules et 2 triceps. Parfait. J'aime bien m'asseoir, comme ça j'ai. Enfin, je triche toujours un petit peu du dos, bon, on est obligé de bouger, mais voilà. En fait, on bouge moins que quand on est debout. Allez, on arrête de parler. Là j'ai fait 12 reps, je vais augmenter jusqu'à faire 7-8 reps max. Voilà, je fais 4 séries, c'est parti. Là maintenant j'essaie toujours d'avoir un exercice de poussée et un exercice de tirage sur les épaules. Du coup là on va passer sur de l'élévation manteau, de l'élévation menton avec de l'élévation latérale aux haltères. J'alterne avec ça ou l'élévation oiseau qui cible plus l'arrière des épaules, mais ça je le fais plus sur une autre séance pec épaule. Voilà, tiens, vous commencez à me connaître, mon exercice préféré c'est les dips, donc bah là je pars sur 4 séries de dips, combien de reps, je vais essayer de faire en fait entre 15 et 20 reps avec 1 minute de repos entre chaque. Voilà. Là je pars sur une sorte de barre au front en fait, mais aux haltères, pour plus de flexibilité par rapport à mes coudes par exemple. Voilà, c'est une bonne variante, je vous conseille d'essayer, au lieu de faire de la barre droite ou de la barre Z ou easy ou voilà, et ben je vous conseille de faire aux haltères. Commencez petit, commencez léger et vous allez voir les sensations, je vous assure qu'elles sont là. Essayez de bien exécuter le mouvement, bref. We'll be right back.
si vous avez des problèmes au coude ou quoi que ce soit, et que même vous voulez que même vous voulez tester autre chose, donnez tout à l'entraînement, donnez tout. Ma séance, elle a duré une heure. Archi efficace. Archi efficace. Congestion de malade. Séance parfaite. Essayez-la. Et motivé. Ouais, j'espère qu'il fera beau. J'ai envie d'aller courir. Faut que je prépare mon trail. Hein. J'ai un trail de 14 ou 17 km. Pour les plus expérimentés, ils diront que c'est pas un trail. Mais ça s'appelle comme ça. On va se préparer. Un peu, je vais vous montrer comment je fais, comment je prépare mes repas dans la semaine. C'est très simple. Donc là, on a du brocoli. Des brocolis, des poivrons, des patates douces, obligées, et des oignons. Et donc là, je vais mettre les patates douces au four, directement comme ça. On a juste à faire quelques picots avec, j'appelle ça des picots, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, tu piques la patate douce, tu l'enfournes au four à 230 degrés, voilà, 225, 230, pendant 45 minutes. Et à côté de ça, voilà, donc là je vais faire les légumes à la vapeur. Voilà, moi je fais comme ça. La vapeur, en fait, faut le savoir, c'est la manière, c'est la cuisson la moins traumatisante entre guillemets pour tout ce qui est alimentaire. C'est ce qui conserve le mieux, en fait, les nutriments qui sont à l'intérieur. Ça détériore le moins possible les aliments. Voilà, j'ai mis de l'huile de coco dans la poêle. Là, j'ai ajouté les œufs. Donc là, la viande, elle cuit. J'ai aux oignons, donc du coup, j'ai rajouté la viande. J'ai mis un peu de sel. Ça, c'est du poulet. Il y a 500 grammes de poulet. Là, j'ai du riz semi-complet. Je vous rappelle, moi, je pèse juste mes féculents pour pas en faire trop. Et voilà. Et sinon, j'essaie d'avoir une portion de protéines, de lipides et des légumes à volonté. Donc là, j'ai pour tout. Voilà, tout ça, c'est pour 3 jours. Je vais essayer de faire ça pour 3 jours. On a les œufs qui sont prêts. Les poivrons, les brocolis, le riz qui cuit, le poulet avec les oignons. Et là, on a les patates douces qui sont en train de cuire toujours, hein, à 230, voilà, 225, 230, pendant encore un quart d'heure. Hop. Je voulais vraiment vous montrer que, en fait, bien manger, ça peut être juste délicieux. Sachant que vous n'avez pas encore tout vu, parce que je vais rajouter... des amandes, des noix du Brésil, des noix de cajou, du raisin, enfin bon, voilà. Se faire à manger, ça veut pas dire manger des brocolis tout seul. Non. On peut super bien manger. Waouh. Regardez bien, ça se coupe tout seul. Voilà, ça se coupe tout seul. Je peux vous dire que c'est une merveille. Ensuite, évidemment, je vais l'agrémenter d'épices, etc. Mais c'est une super méthode pour cuire les patates douces. Je vous montrerai aussi comment je fais pour les frites de patates douces ou à la vapeur, etc. Mais voilà, ça, c'est une super méthode. Vous lavez les patates douces, vous les trouez à base de avec une fourchette, 230 degrés, vous les foutez pendant 45 minutes. Ça ressort comme ça, là. C'est vraiment pas mal. Donc les patates douces, le riz, le brocoli, les poivrons, le poulet aux oignons, les œufs. Là on a les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil. Ouais, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Je fais du sport tous les jours. On est jeudi, je viens de courir 10 km en 47 minutes et 52 secondes. Hier, j'ai fait dos biceps. Avant-hier, j'ai fait séance push. Lundi, j'ai fait fractionné. Dimanche d'avant, j'ai fait push. Samedi d'avant, j'ai fait dos biceps aussi. Ouais, ça va faire. J'ai fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, j'ai fait 6 jours d'affilée. Donc demain, c'est repos. Ça tombe bien, c'est vendredi. Hey, fin de semaine. Je crois que je vais finir là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez plus de conseils diète, etc. Désolé pour la gueule que j'ai, je suis tout en sueur. N'hésitez pas un petit pouce juste pour me dire que vous avez bien aimé la vidéo, ça fait plaisir, j'avoue. Mais surtout commentez et partagez, comme ça on est plein. Voilà. Peace. Ciao.
faut que vraiment j'aille me couper les cheveux, moi. J'ai chaud. Et j'ai trouvé hyper long. Je vais poser la cam là, mais. Oh putain. Caméra, elle est pas droite, putain. Que je vais faire cuire du coup dans l'eau pendant je sais pas combien de temps, bref, on s'en fout.